Salut à tous, c'est Olim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, grosse dinguerie. On peut le dire les gars, un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu sur la chaîne de la salle. Il s'est passé quoi sur la chaîne de la salle? Il a fait une vidéo. Vous allez dire, ok mais il a fait quoi comme vidéo? Les gars, une vidéo où on voit la salle. On voit la salle, c'est la première fois que la salle se montre sur YouTube depuis qu'il a créer sa chaîne YouTube. C'est-à-dire que là, je vous regarde, vous me regardez, c'est la première fois qu'il monte sa tête. Et nous, on va tout simplement réagir à cette vidéo parce que ça parle pas mal de moi dans la vidéo. Et du coup, quasiment la moitié de la vidéo, ça parle de moi, quoi, j'ai envie de dire, ça parle de moi. Et ça, c'est magnifique, les gars. Bon, on va voir déjà, si vous n'avez pas vu le vidéo, n'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne. Mais les gars, quand je vous ai dit un truc, je vous ai dit la salle Hulk. Quand je vous ai dit dans les vidéos, les gars, quand ça va se montrer et tout, je vous dis, c'est la salle, c'est Hulk, c'est Hulk, c'est Hulk, c'est Hulk. Je vous ai répété combien de fois ça, les gars? Mais regardez-moi ça, les gars. On est parti. 3, 2, 1, go! Avant que la vidéo commence, clique sur les liens dans la description de la vidéo et abonne-toi à mon Facebook. Non, mais attendez, attendez, regardez-moi. Salut à tous, c'est la salle. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais Unwin, il a sorti une vidéo YouTube et un TikTok. Ouais, c'est vrai. TikTok qui a fait 1,5 million de vues. Mon vrai salaire. Je vais vous expliquer. Donc, en gros, on a fait une vidéo dans laquelle on devait répondre à des questions, et le truc c'est que j'ai répondu à la question des salaires, sauf que, comme vous vous doutez bien, je ne peux pas avoir gagné 19 000 euros directement en ayant commencé YouTube. Bah ouais, j'ai commencé YouTube les gars. Mon premier salaire c'était 70 euros. Du coup les gars, dernière question. Alors du coup, on fait une petite pause. C'est vrai que la première fois qu'on a commencé YouTube, bon, c'est vrai qu'il a dit 19 000 le plus petit, mais en soi c'est pas ça, c'est pas genre dès qu'il a commencé YouTube il a gagné 19 000 euros direct, non, genre ça c'est impossible. Moi la première fois que j'ai commencé YouTube, je devais être à 30 euros le mois, ou mais même pas quoi, enfin voilà, genre rien du tout quoi. Du coup c'est vrai que nous on a fait partie des YouTubeurs qui ont commencé YouTube où les revenus n'existaient pas. Déjà la salle quand il a commencé ses vidéos, la monétisation ça n'existait pas du tout les gars. Enfin je veux dire, il faisait ses vidéos par passion comme nombreux d'entre Cyprien, Diabolix9, en parlant de Diabolix9, enfin Wartech, Kotaga, Suzy, enfin j'en passe quoi, j'en passe. Et du coup c'est vrai que quand les premiers ont fait les vidéos, bon moi j'étais un petit peu après eux, mais du coup il n'y avait pas de revenus en fait, c'était de la passion, on faisait ça parce qu'on aimait ça. Et ensuite les revenus sont venus après, et en fait j'ai envie de dire c'est un peu la récompense de ce qu'on a eu en fait, enfin la récompense de la passion qu'on a eu un peu. On a commencé à être rémunéré par rapport à ça et tout, et ensuite on est venu ce qu'il en était. C'est vrai qu'aussi par exemple aucun youtubeur n'était au courant de combien ça allait rapporter YouTube. Genre au début on savait pas que telle personne allait gagner 50 000, telle autre allait gagner 3 000, autre allait gagner 100 000, autre allait gagner 10 000, 20 000. Enfin voilà, on n'avait aucune notion de tout ça. Et du coup ça a été de la découverte dans les fils, dans les mois qui venaient. Moi je me rappelle la première fois que j'ai commencé YouTube, c'est des gros outils quoi, c'est des gros outils. Et c'est par la suite que j'ai commencé à tirer des salaires, et du coup que j'ai arrêté par exemple pour ma part à moi mes études. Mais pour certains d'entre eux, pour d'autres, ils pouvaient pas juste faire youtubeur, juste vivre des vidéos, et ils avaient un travail à côté. Moi j'étais étudiant, du coup je faisais mes études puis je faisais youtubeur. La salle lui il faisait aussi animateur, du coup comme j'ai dit la fameuse salle, pourquoi il s'appelle la salle, c'est pour ça qu'il s'appelle la salle en gros, parce qu'il est animateur dans une salle. Bon ça on l'avait déjà dit dans une vidéo, mais il faisait animateur puis il faisait ses vidéos. Donc, du coup en fait c'est comme ça qu'on a commencé avec la salle et tout. Alors du coup on est parti pour la suite, let's go. Question ultime, vous pouvez donner une fourchette si vous avez envie. Combien vous gagnez par mois? Cette question était posée par Nico. Combien vous gagnez par mois? Alors du coup c'est là que la salle parle de son salaire. Non mais tu peux donner une fourchette là, ça m'a pardon, j'ai donné 5 et 15 tu vois. Mon plus bas salaire, je vais le dire quand même, c'était 19 000. Ok, voilà, au moins on est franc. Attends, on rappelle, et ça c'est que YouTube. Après c'est vite monté, mais c'était 70 euros. Voilà, c'était mon premier salaire, donc le plus bas c'est 70 euros. Par contre, mon plus gros salaire. Putain, mais regardez-moi ce baraque, les gars, regardez-moi comment il lit, les gars, c'est un baraque. Donc, du coup, on revient à la vidéo d'Unwin. Donc, dedans, est-ce que vous validez salaire, est-ce qu'il est baraque, les gars, dans le chat, dans les commentaires salaire, ça a été 19 000 euros et le plus gros 120 000 euros. Mais comme je vous ai dit, c'est Unwin qui m'a dit de dire ça pour prank Eden. Sauf que, comme ça n'a pas marché et qu'Eden n'a pas réagi, il a fait passer ça pour vrai. Alors que, comme je vous ai dit, mon plus bas salaire, c'est le tout premier. Et c'était aux alentours, c'était pas exact, mais aux alentours de 70 euros.
Par contre, le plus gros salaire, c'est vrai que pour moi, il est énorme. Bon, jamais j'aurais pensé, ne serait-ce qu'avoir une seule fois cette somme dans ma vie, et pourtant j'ai réussi à gagner ça en un mois. Si vraiment ça vous intéresse de savoir quel a été mon plus gros salaire sur YouTube, on a envie de savoir là, ça. Dans les commentaires, parce qu'à mon sens, bah, c'est pas une information incroyable. C'est pour ça que j'ai jamais parlé d'argent sur YouTube. Il y a tellement de YouTubeurs en France qui gagnent 10 ou 100 fois plus que moi que je trouve pas mon cas intéressant. Sans compter tout ce qui est bah, chanteur, footballeur, acteur, artiste. Qui se mettent bien les footballeurs, hein. Les chanteurs aussi. Hein. Mon cas, il est ridicule à côté, mais vu qu'Anwin a sorti une vidéo en parlant de mon salaire, bah, je dois rétablir juste la vérité. Donc dans les commentaires, vous me dites si vous voulez que je dévoile mon plus gros salaire en un mois. En tout cas, mon plus petit salaire, c'était environ 70 euros quand j'ai débuté. D'ailleurs, dédicace à tous les YouTubeurs qui, quand ils ont débuté, ont fait à peu près pareil et qui n'ont rien lâché. Après, c'est vrai que bah, par rapport à tous les postes que j'ai occupés avant YouTube, ça a été une grosse galère. C'est vrai que YouTube, ça a été la plus grande chance de ma vie. Ça, je ne peux pas le cacher. Sur ce, à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez savoir. Et merci à tous. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors, du coup, voilà. Je pense que vous avez un peu tous vu ce qu'il a dit. Alors, moi, personnellement, j'ai pas envie de connaître. Bon, je connais le salaire de la salle, mais j'ai pas envie de le connaître parce que je pense que, comme la plupart des youtubeurs en France, personne n'a jamais parlé de son salaire. Donc, je vois pas pourquoi la salle il parlerait de son salaire. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais fait une FAQ avec la team. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la FAQ, n'hésitez pas à aller la voir. Elle se trouve sur la chaîne YouTube. Elle va apparaître. Cette FAQ, tout simplement, j'ai mis la partie où on parle des salaires sur TikTok. Et le TikTok a fait, il me semble qu'il a fait au moins 1 million de vues, 1,5 million, enfin 1 million 1, je crois, ou 1 million 3 en 24 heures, le TikTok. Donc c'est vrai qu'il a pas, il a fait du bruit sur TikTok et du coup tout le monde a partagé, donc du coup c'est pour ça que ça a réagi et tout. Mais en tout cas, je pense que voilà, quoi qu'il en soit, c'est un travail mérité parce que je peux vous dire que la salle il a bossé longuement pour en être là où il en est actuellement. Ça fait quand même 10 ans que GTA 5 est sorti, donc à peu près 10 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube, et je pense que c'est très très mérité. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi personnellement, je suis assez choqué. N'oubliez pas de lui dire dans les commentaires, les gars, la salle baraque, la salle t'es baraque. Voilà, je vous le dis, le mec, il pousse quoi, il pousse. Développé couché, je vous le dis, son record, il est incroyable. Moi, mon record pour l'instant, développé couché. Bon, après, j'ai pas le même point. Genre, voilà, je suis pas Hulk, mais moi, c'est 60. Voilà, sachant que je ne pèse pas 60, je ne pèse pas 50. Donc, c'est énorme, 60. Voilà. Mais prochain objectif, 65 kilos. Sur ce, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Sur ce, ciao, ciao.